Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis en direct de Terre-Neuve pour vous parler du tout nouveau Ford EcoSport 2018. Donc l'EcoSport, c'est quoi? Ben c'est un autre VUS, hein? Surprise! En fait, on sait que Ford récemment là, a annoncé qu'ils allaient là, se concentrer là, sur la commercialisation de véhicules utilitaires en sport. L'EcoSport fait partie de la catégorie des VUS sous-compact. En fait, présentement, là, cette catégorie-là est la plus populaire là, en Amérique du Nord. Il fait concurrence à des véhicules comme le Honda HR-V, le Chevrolet Trax, le Nissan Qashqai et tout récemment, là, le Hyundai Kona, et il y en a d'autres, là, j'en passe. Donc, l'EcoSport, ce n'est pas un véhicule qui est entièrement nouveau. En fait, ça fait quelques années là, que Ford le vend dans d'autres marchés. Il est assemblé en Inde, on l'apporte ici. Il est bien entendu là, basé là, sur la même architecture là, que la Ford Fiesta, voiture sous-compact qu'on va perdre l'année prochaine là, sur notre marché. Donc, l'EcoSport prend la relève. Donc, un véhicule qui est surélevé, bien entendu, très populaire là, auprès des consommateurs. Il est fait beaucoup plus haut également là, qu'une Fiesta. Donc, on va chercher là, un espace de chargement là, supérieur. On a à l'arrière un coffre qui est surprenamment volumineux une fois la banquette rabaissée. On parle d'un total de plus de 1400 litres d'espace de chargement qui est moins qu'un Honda HR-V, mais quand même là, relativement spacieux. Donc, en fait, au niveau motorisation, on est présentement dans le modèle 2 litres. Il s'offre avec la traction intégrale ou modèle traction avant. Le modèle que j'ai ici, le 2 litres, s'offre seulement avec la traction intégrale. Il développe 159 chevaux et il est associé à une boîte automatique à 6 rapports. C'est la seule boîte disponible. Donc, au niveau puissance avec le 2 litres, c'est un véhicule qui n'est pas très, très rapide. Il ne faut pas s'attendre à avoir des performances époustouflantes, mais il fait très bien le travail. La boîte automatique rétrograde quand même assez bien. Donc, elle n'est pas trop saccadée. Mais ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est au niveau de sa tenue de route. Vu qu'on a la même plateforme que la Fiesta, c'est un véhicule qui est relativement agile. On a une plateforme animée, suspension un peu ferme, mais somme toute, il n'est pas désagréable à conduire ce véhicule-là. On peut l'avoir également avec un moteur plus petit, avec les modèles à traction, un moteur 1 litre, un 3 cylindres, 1 litre turbo. Écoutez, c'est miniature, qui développe 139 chevaux. J'ai eu la chance de le conduire hier, celui-là. Écoutez, il n'est pas très, très puissant, le 3 cylindres, mais pour quelqu'un qui veut vraiment réduire son empreinte énergétique, c'est un moteur qui consomme peu. On parle d'une moyenne de consommation d'environ 6,5-7 litres au 100, ce qui est quand même bien. Le seul défaut avec celui-ci, le 2 litres, c'est que sa consommation n'est pas superbe. En fait, c'est pas mauvais. On parle d'environ 8 litres, 8,5 litres au 100 combiné, ce qui est bien. Mais on peut avoir un VUS compact comme un Mazda CX-5 ou un Honda CR-V qui va faire la même chose ou même mieux. Donc, de ce côté-là, attendez-vous pas à avoir une consommation d'essence améliorée avec l'EcoSport à traction intégrale. On va toutefois avoir, grâce à ses dimensions plus compactes, il est plus facile à stationner, il prend moins de place. Donc là-dessus, c'est bien. Parlant d'espace à l'intérieur, c'est sûr que c'est serré, mais à l'avant, je suis pas inconfortable. À l'arrière, banquette un peu plus petite, mais somme toute, on a vraiment maximisé là, l'espace dans le véhicule. Son gros défaut à l'intérieur, par contre, à mon avis, au niveau de l'habitacle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. J'ai une petite console centrale ici, j'ai pas beaucoup de place pour mettre des trucs. Bon, j'ai les sous-verts, les cup holders, comme on dit en anglais, petit espace de rangement dans la portière, mais c'est limité là, au niveau de l'espace de rangement. Pour finir, le système infodivertissement, on s'est présenté sur une espèce de tablette ici devant moi, très moderne, très au goût du jour. On a Ford Sync 3 sur les versions plus équipées. Ford Sync standard là, vient avec les modèles d'entrée de gamme. Il incorpore bien entendu les plus récentes technologies Android Auto, Apple CarPlay. Une interface qui n'est pas désagréable à utiliser, qui est bien présentée, qui est claire, des menus attrayants. Sync demeure un système qui peut être un peu complexe pour les néophytes, mais somme toute, on y retrouve là, facilement là, toutes les applications les plus pratiques là, dans un véhicule. Et la version Platinum vient avec un système de son plus performant, d'autres technologies là, d'aide à la conduite également. Au niveau prix, on parle d'un prix de départ de 22 000 $ pour un modèle à traction avec le 3 cylindres. Il va monter jusqu'à 31 000 $ là, avec le modèle Platinum en cuir avec le 2 litres à traction intégrale. C'est un peu dispendieux rendu à 31 000 $, je vous avoue. Moi, si j'étais vous, je me tiendrais là, avec des modèles plus entrée de gamme, comme par exemple un modèle SE qui va venir avec la traction intégrale. Il va être environ 24 000-25 000 $. À mon avis, là, je ne dépasserai pas ces prix-là là, pour un véhicule de cette catégorie-là. Contenu de sa taille, parce qu'on peut facilement après ça, on en empiète après dans la gamme de prix de véhicules compacts comme justement un Ford Escape là, qui est plus volumineux.
Donc, somme toute, en fait, écoutez, je suis pas déçu du véhicule. Au niveau de l'apparence extérieure, bon, ça laisse à désirer, c'est à vous de juger. Mais c'est un véhicule qui est agréable à conduire, un petit véhicule urbain, il est le fun. Le haillon à l'arrière qui s'ouvre de façon là, horizontale, là, comme les anciens Honda CR-V, ça laisse à désirer. En fait, le désavantage d'un haillon comme ça, c'est que si on a un véhicule de stationné derrière nous, on peut pas l'ouvrir, on est vraiment pris, on est vraiment pogné. Donc là-dessus, c'est un petit peu spécial. Mais au moins, le haillon ouvre du côté là, du trafic, donc il y a pas trop. Ça nous protège d'une espèce de bouclier. Là, si jamais il y a un fou qui passe à côté, là, ben, au moins on est protégé du trafic des véhicules passants. Donc voilà, écoutez, Ford EcoSport 2018, un petit VUS sous-compact relativement amusant à conduire. Donc là-dessus, c'est pas raté. Bien entendu, on va avoir un compte-rendu complet là, du véhicule sur le site sous peu. Et bien sûr, suivez notre page Facebook pour tous les détails.